disons, l'arbuste que nous avons le privilège de présenter maintenant est celui qui est devant nous ici. Il s'agit de Vitex madiensis. Un arbuste qui atteint facilement combien ? 3 à 4 mètres, hein, mais bon, celui-là, on va dire à une hauteur de environ. Oh, bon, ma règle à partir du sol, c'est 2 mètres. Hein. Si on regarde bien, donc celui-là, on va dire en gros, hein, il a 2,50 m de haut. Mais on peut trouver des arbustes jusqu'à 4 mètres. Vitex madiensis, c'est un arbuste qu'on trouve en zone de savane, hein, un peu partout. Et on peut le trouver depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria. Même si c'est vrai qu'actuellement, dans certaines zones, il faut marcher assez longtemps pour pouvoir le retrouver. Ce qui est bien entendu une préoccupation. Alors, c'est un arbuste, comme vous le voyez, qui a un tronc, on va dire comment, hein, le tronc est de couleur, on va dire, de couleur un peu marron, hein, avec des stries de gris. Alors, ces stries-là, on parle donc d'écorce crevassée. C'est assez tendre d'ailleurs, une écorce de type liégeux, hein, c'est assez tendre, hein, on peut enlever facilement ça avec le doigt, et donc on voit ces stries marron, disons gris clair sur un fond un peu marron plutôt, et le tronc est un tronc dressé, hein, donc très tôt ça va faire de nombreuses branches, hein. Voilà, quand on remonte vers le haut, à partir de la base donc, hein, on remonte la tige, hein, et on remonte jusque vers les jeunes rameaux. Alors sur les jeunes rameaux, on voit que c'est couvert, c'est finement pubescent, c'est très 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 couvert de poils, hein, ça se voit très clairement ici. Hein. Donc ces jeunes rameaux qui sont porteur des feuilles, on voit là aussi les feuilles, et on voit le pétiole des feuilles, c'est aussi très couvert de poils, c'est ce qui donne cet aspect de duvet blanchâtre. Quand on regarde les feuilles, hein, sur cet arbre, on voit que, hein, voici le pétiole, hein, qui rattache à la tige la feuille, et on peut voir que ce sont des feuilles trifoliées là. Donc c'est des feuilles composées en réalité, trifoliées, mais on rencontre aussi, hein, des feuilles avec une seule foliole. Donc surtout en particulier sur celui-là, on voit que ça varie donc d'une foliole à trois folioles. Même si c'est vrai que dans la littérature, eh bien on trouve mention de 3 jusqu'à 5 folioles. En tout cas, sur cet arbuste, nous ne voyons pas 5 folioles. Hein. Le maximum qu'on peut voir, c'est 3 folioles. Et les pétioles sont assez longs d'ailleurs. Hein. Quand on regarde la longueur de ça, hein, ici, on a environ 12 cm, hein, de longueur de pétiole. 12 cm, c'est celui-là. Bon, sur celui-là, on va dire quoi? C'est 8 cm. Donc on peut dire en gros, c'est entre 10 et, on peut dire même de 8 jusqu'à 12 cm. Maintenant, quand on prend une feuille composée, on regarde les caractéristiques des folioles qui sont là. On va choisir une feuille qui est assez jolie et qui soit assez représentative. On prend celle-là par exemple. Eh bien, on voit que, disons, la foliole qui est située à l'extrémité, donc on dit que c'est trifolié, celle-là est beaucoup plus grosse que les deux autres qui sont situées à sa base. Et on voit des pétiolules, hein, voici le pétiole, mais ça c'est des pétiolules qui sont très courts. Mais pour la grande feuille qui est à l'extrémité, c'est 2 cm, alors que là, c'est l'ordre de combien? De 5 mm, quoi, maximum. Quand on regarde les dimensions de pour la grande foliole, hein, voilà, en largeur, c'est quoi, 10 cm, 11 cm,
sur une longueur de, disons, jusqu'à 18 cm. Bon, tandis que sur les petites qui sont à la base, les pétioles, la largeur, c'est quoi, de 7 cm ici, sur une longueur de jusqu'à 12 cm, on va dire. Alors, c'est assez remarquable, la face supérieure de la feuille, celle qui regarde vers le ciel, est d'une couleur vert tendre. C'est pas vraiment foncé. Et quand on regarde au dos, nous voyons que c'est couvert, c'est densément couvert de poils. C'est vraiment pubescent et qui donne cet aspect blanchâtre. Donc la couleur va être ici du vert blanchâtre, quoi. Avec des nervures qui sont en relief très marqué. Et d'ailleurs, les nervures sont assez visibles. Elles sont déprimées en haut, les nervures secondaires, les nervures principales aussi, tandis que ça ressort en relief en bas. On voit tout là, hein. Et si on compte les nervures secondaires, c'est plus facile de compter en bas. On va compter sur un côté, hein, puis on donne le nombre total en paires. Ça fait là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 paires de nervures. Hein, on pourrait compter sur les petites feuilles aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. Donc 8 à 15 paires de nervures secondaires. Alors, nous avons dit que c'est assez remarquable, hein, que cet arbre est assez pubescent. Hein. On regarde, les poils sont très apparents sur les jeunes rameaux d'abord, ensuite ça continue sur les pétioles, et ensuite c'est comme si ça continue à se répandre donc au dos des folioles qui sont là, au dos des folioles, d'une manière assez continue. Les fleurs, on ne les voit pas sur ce tronc, mais on voit quand même les fruits. Voilà par exemple, disons, un couple de fruits ici, et puis il y a un fruit unique là, hein, et voilà encore un couple de fruits là. Donc il y en a un certain nombre qui restent. Hein. Nous disons qu'ils restent parce que les fruits sont très appréciés. Mais on va se servir de la position des fruits pour décrire comment se présentent les fleurs. Les fleurs vont apparaître donc en cime axillaire, c'est-à-dire à l'aisselle des feuilles. On voit ces feuilles qui sont regroupées donc ici là, à cette hauteur du rameau. Les fleurs vont apparaître à l'aisselle. C'est la position à laquelle aussi les fruits vont arriver, bien sûr. Et vont apparaître sous forme de cimes, portant donc des pédoncules, donc des queues, si vous voulez, qui sont de hauteur légèrement différente. Donc on va avoir un groupe de fleurs ici, ça va apparaître groupé. Et les fleurs sont de couleur violacée, tachetées de jaune, pour le Vitex madiensis. Quand ces fleurs sont fécondées, elles vont donner plus tard donc ces fruits. Donc les fruits, on les voit là, donc sous forme de baies ovoïdes. Il peut y en avoir plus, hein. C'est celui-là, il y en a deux. Couleur, disons, verdâtre, vert un peu foncé avec des taches claires. Et ce sont donc des baies ovoïdes. Et la longueur là, c'est environ 2 cm hein, sur 1 cm de largeur. Et c'est pédonculé, hein, c'est la queue qui reste de la fleur en fait. Et on voit que les fruits sont suspendus de manière à ce qu'on a l'impression là qu'il y a une sorte de chapeau, en fait c'est le calice de la fleur qui est resté, hein, qui va donc tenir le fruit comme ça, le calice, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure de la fleur qui est restée. Ces fruits, quand ils vont mûrir, vont prendre une couleur plutôt noire, hein, avec une pulpe qui est très appréciée, qui est sucrée, et un gros noyau. Et le noyau contient lui-même après 3 à 4 graines à l'intérieur. Mais les fruits sont très très consommés par les populations. Et donc, le pédoncule ici, on peut mesurer combien? Jusqu'à 4 cm demi, hein, sur celui-là, sur ce fruit. Mais on peut chercher, voilà un autre couple de fruits ici. Là aussi, c'est jusqu'à environ 5 cm de long, le pédoncule, hein, et qui se divise en sous-pédoncules, bien sûr. Donc, cet arbuste
bien entendu à beaucoup d'applications. Hein? Bon, notamment les fruits, nous avons dit, sont consommés. On peut retrouver d'ailleurs hein, sur certains marchés de la zone de savane que les petites vendeuses ont l'habitude de proposer ça aux gens. Bien entendu, ceux qui connaissent consomment énormément. Et il est important de savoir que c'est un arbuste très utile de notre environnement. Et nous allons donner maintenant quelques noms locaux pour cet arbuste. Alors, pour ce qui concerne les noms locaux, eh bien, au Mali, par exemple, Vitex madiensis va être appelé par les Malinkés, Cotoni. Hein, ou encore, les Bambara vont dire Koro, ou bien Koronifi. Hein, et disons, les Dogons, toujours au Mali, vont l'appeler Alumi Dunu Lio. Alumi Dunu Lio. Et quand on parle au Burkina, par exemple, les Dula vont l'appeler un peu du même nom que les Malinkés du Mali, hein, Koronifi, ou Korofi. En Côte d'Ivoire, les Baoulés vont l'appeler Mbli. Les Baoulés vont l'appeler là-bas Mbli Mbri. Et quand on part côté Bénin, par exemple, en langue de Berba, vont l'appeler Rankilata. En Guinée, les Malinkés l'appelleront Koutou. Et les Peuls là-bas, les Poulards, Boumé. Au Sénégal, eh bien, les Wolofs vont appeler ça Dobolé. Tandis que le Peul tout couleur va appeler Boumé, ou bien Boumi. Hein, et bien entendu, on peut ajouter aussi au Niger le Djerma Boye. Donc il y a beaucoup, beaucoup de noms qu'on peut trouver facilement dans la littérature en se basant sur le nom scientifique, bien sûr, qui est Vitex madiensis. A remarquer qu'il y a un autre qui est très proche de ça. Il y a plusieurs autres Vitex, en fait. Il n'y a pas un autre. Il y a, par exemple, Vitex domania. Hein, il y a Vitex, disons quoi, Vitex grandifolia. Bon, les variétés sont assez proches et peut-être que dans une autre vidéo, on va couvrir hein, un certain nombre de cousins proches, Vitex madiensis. Mais il y a pas mal d'applications en phytothérapie et nous allons, à la fin de la vidéo, lister un certain nombre de mots que les phytothérapeutes africains vont combattre en se basant sur une longue expérience hein, d'utilisation des plantes, ils vont combattre donc en prenant différentes parties de cette plante, soit la plante entière, ou une tige feuillée, ou uniquement en recueillant les feuilles, parfois ce sont les graines, les fruits, parfois c'est l'écorce des tiges, parfois c'est l'écorce des racines, ou la racine entière. Voilà, donc cela suffit pour identifier Vitex madiensis, et bien entendu, notre souhait, c'est que ces arbustes continuent à faire partie de la biodiversité de notre environnement. C'est pour ça que nous encourageons vivement à ce que les gens puissent recueillir les graines ou encore les jeunes pieds et puissent les planter soit dans leurs champs, soit, pourquoi pas, dans les cours, hein, pour ceux qui ont de l'espace en milieu urbain. Et nous pensons que ça, c'est la manière la plus efficace pour contribuer à la préservation de notre biodiversité et aussi en tirant un maximum de profit de ces plantes qui sont en fait nos voisins sur cette planète.